vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les séances que je propose, notamment pour vous endormir. Eh bien, je vous en remercie et je vous propose aujourd'hui une toute nouvelle approche. Que ce soit à cause de pensées négatives, de pensées incessantes, à cause du stress, des angoisses, des doutes, des questions, votre cerveau n'arrive pas à se mettre au repos. Et c'est pourtant bien nécessaire pour arriver à vous endormir sereinement et avoir un sommeil récupérateur. Alors ici, je vais vous proposer en quelque sorte d'aller reprogrammer votre cerveau et de faire du tri avec ce que vous ne souhaitez plus, ce que vous ne désirez plus, ce qui vient vous parasiter et vous empêcher à lâcher pour vous endormir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos et à devenir membre du site Le Cabinet Le Fil d'Ariane sur lequel je propose des conseils, tests, défis et vous pouvez retrouver également un forum pour échanger un savoir, des techniques et trouver des réponses et des solutions à vos problèmes. Et je reste bien sûr disponible pour échanger avec vous. Je vous invite pour cette séance à vous installer confortablement. Installez-vous confortablement et laissez votre esprit faire ce qu'il a à faire pendant qu'une partie de vous m'écoute et qu'une autre partie est en train de trouver la meilleure position qui soit pour vous maintenant. Laissez cette partie se blottir dans un coin de votre esprit, pendant que votre corps, lui, se blottit dans votre lit, ajustant avec des micro-mouvements chaque partie de votre corps. Dans un premier temps, simplement portez l'attention sur la place que vous venez de prendre. Portez l'attention sur les zones d'appui, contact avec votre lit, avec vos draps. Ce ne sont pas des choses habituelles, ce sont des choses que l'on fait automatiquement. Et certains ont des rituels d'endormissement, ce besoin de reproduire les mêmes gestes, de se mettre dans les mêmes positions, dans la même place, dans le lit, ajustant la même luminosité. Peut-être une légère lumière, peut-être dans le noir total. L'habitude aussi de réduire les bruits autour de nous. À moins que vous préfériez vous endormir avec une légère musique. Et voyez-vous, les choses se font tellement automatiquement que l'on n'y prête même plus attention. Et il en est de même pour votre esprit, qui a, lui aussi, enregistré des automatismes. Et pour certains d'entre vous, cela peut générer des problèmes d'endormissement. Alors que la volonté de s'endormir est là, c'est comme si certains programmes ne fonctionnaient plus. C'est un petit peu comme le disque dur d'un ordinateur. L'ordinateur fonctionne très bien, mais certains logiciels viennent le ralentir, le maintenir dans des états qui rendent difficile le fonctionnement de l'ordinateur. Eh bien, aujourd'hui, vous allez apprendre à reprogrammer ce logiciel intérieur. Apprendre à votre esprit et à votre corps à avoir de nouvelles habitudes. Et quand vous aurez apporté à votre corps et votre esprit les réponses dont il a besoin, alors chaque muscle s'endormira progressivement.
et quand les muscles seront relâchés un à un et détendus, alors chaque partie de votre corps s'endormiront à leur tour et de plus en plus. Peut-être d'abord les jambes qui seront davantage lourdes, de plus en plus endormies, à moins que cela commence par les mains, les bras, l'arrière de la tête ou le dos. Laissez-vous porter par ces suggestions agréables et autorisez-vous à découvrir, à redécouvrir un moyen efficace de s'endormir confortablement. Et pendant que tout cela se fait, qu'une partie de vous cherche les réponses utiles et nécessaires à cet endormissement maintenant, une autre partie continue à relâcher et détendre le corps, partie après partie, à son rythme. Et vous pouvez vous étonner à sentir les modifications subtiles qui vont et viennent au fur et à mesure du temps qui passe. Et les secondes peuvent devenir des minutes, et les minutes des heures. Et au fur et à mesure, après chaque mot, chaque son, chaque phrase, chaque seconde passée à suivre, votre corps intègre des automatismes à différents niveaux. Il répond à sa manière aux suggestions, il prend ce qu'il a besoin de prendre. De la même manière, il laisse ce qui n'a pas lieu d'être. Chaque chose prend une place et les choses qui n'ont plus rien à faire là se déplacent. Et vous pouvez être curieux de ces mouvements. Micro-mouvements, flux d'énergie, de chaleur, de plus en plus présent à vous-même, laissant le corps faire ce qu'il a à faire et de plus en plus lourd. Cette lourdeur prend place de plus en plus profondément sur chaque zone d'appui. Pendant que votre esprit ne fait plus qu'un avec votre corps et que les sensations vont et viennent, de lourdeur, de chaleur confortable, comme un flux d'énergie qui viendrait vous bercer, englobant toutes vos parties, ne faisant plus qu'un tout, lourd, détendu, irrésistiblement attiré par cet état de sommeil, et pas plus vite que ça, prenez le temps de ressentir toutes ces sensations à travers cette expérience agréable. Cet état d'endormissement viendra. Et pas plus vite que ça, parce que parfois il est bon de lutter et de retarder un petit peu involontairement le moment de l'endormissement. Et l'esprit se laisse lui aussi bercer. Et cette partie de vous plus inconsciente et plus profonde fait le choix de prendre certains mots, certaines phrases et de laisser le reste. Et dans cet état d'hypnose, il est intéressant
de noter qu'il n'y a rien d'autre à faire, rien d'autre à penser, rien d'autre à dire, juste de le laisser faire. Et pendant qu'une partie de vous fait cela, une autre partie peut décider d'être plus silencieuse et d'entendre ce qu'elle a besoin d'entendre et de prendre ce qu'elle a besoin d'apprendre. Et cet état vers lequel vous vous rapprochez de plus en plus peut faire surgir en vous des souvenirs, peut-être des souvenirs de votre enfance. Comme si vous redeveniez aussi confortable que lorsque vous vous blottissiez dans votre lit enfant. Une sensation de sécurité, une sensation de confort, de détente irrésistible. Et pendant que tout cela prend place de plus en plus, les réponses que votre esprit inconscient apporte à sa manière vont vous permettre de mettre en place un tout autre système de fonctionnement, un système vous permettant d'accéder chaque fois un peu plus vite et un peu plus profondément à un état d'endormissement agréable et durable. Pendant que ces parties s'endorment à leur rythme et à leur propre manière, vous pouvez laisser venir devant vous un écran d'ordinateur, sur lequel il y a plusieurs icônes représentant divers répertoires importants. Notez aussi que sur cet écran, il y a une corbeille. Et vous allez laisser cette partie de vous qui sait, cette partie profonde qui prend de plus en plus de place. Elle va retirer des fichiers inutiles, ceux qui comprennent des injonctions, peut-être des croyances, des pensées limitantes, afin de faire de la place et créer davantage d'espace pour accueillir des programmes et des informations utiles et bonnes pour vous. À votre rythme et à votre propre manière, vous allez rechercher sur cet écran l'icône correspondant au répertoire mémoire. Et lorsque ce répertoire nommé mémoire apparaîtra sous vos yeux, peut-être de manière symbolique, et c'est très bien ainsi, vous allez cliquer sur cette icône afin de faire apparaître un autre menu proposant des sous-répertoires. Cherchez maintenant dans la liste le sous-répertoire nommé mauvaises habitudes. Laissez faire cette partie plus profonde en vous. Cherchez. Laissez-vous guider et observer ce qui se passe sur cet écran. Dans cette partie nommée mauvaises habitudes, il y a différents dossiers. Un dossier émotion, un dossier pensée, un dossier comportement. Je vais vous laisser quelques secondes pour
avec beaucoup de curiosité et de bienveillance, cliquez sur chaque dossier. Partez à la découverte de ce qu'ils contiennent chacun. Le dossier émotion, puis le dossier pensée, puis le dossier comportement. Vous allez cliquer sur chacun de ces fichiers. Ouvrez-le, puis regardez ce qu'il contient. Que contient votre dossier émotion? Peut-être des émotions qui viendraient vous parasiter, vous empêchant d'avoir un état propice à l'endormissement. Serait-ce de la tristesse, de la colère, une rancœur, ou est-ce que ce soit de la peur? Génère des doutes et des questions, pensées négatives, des angoisses. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre dossier émotion, mais je vais vous laisser quelques secondes pour aller sélectionner tous les éléments qui sont nécessaires d'être déplacés dans la corbeille. Je vous laisse quelques secondes pour faire cela et effacer, supprimer dans ce fichier émotion tout ce qui n'a plus rien à faire là. Très bien, et vous pouvez surprendre, être surpris de trouver certaines informations. Et votre esprit inconscient est là, à vos côtés, en train de faire le nécessaire pour vous permettre de mettre en place des habitudes plus saines pour vous. Je vous invite maintenant à cliquer sur le dossier nommé pensée et de la même manière observez ce qu'il contient. Serait-ce des pensées négatives, des pensées limitantes? Contient-il des pensées différentes ou de nombreuses pensées similaires qui reviennent régulièrement? Prenez quelques secondes avec beaucoup de bienveillance et de douceur et sélectionnez chaque fichier, chaque pensée qui vient ralentir et interférer dans votre phase d'endormissement. Les sélectionner, vous pouvez approfondir la recherche et prendre le temps et vous les déplacer à la corbeille. Je vous laisse quelques secondes pour faire cela. Maintenant, je vous invite à faire la même chose
en ouvrant le dossier comportement. Qu'y a-t-il dans ce dossier? Quelle est la liste des comportements vous concernant qui vous freinent et vous empêchent de vous reposer, de trouver le sommeil? Prenez encore quelques secondes, parcourez cette liste avec beaucoup de curiosité et sélectionnez tout ce qui n'a plus rien à faire là pour le mettre ensuite dans la corbeille. Très bien. Maintenant que vous venez de faire cela, prenez quelques secondes pour observer comment est-ce que vous vous sentez. Y a-t-il des sensations particulières dans votre corps? Des pensées particulières qui viennent? Des émotions? Que pouvez-vous apprendre de cela? Très bien. Et vous allez vous souvenir simplement que tout ce qui est bon pour vous restera dans ce répertoire que vous allez pouvoir renommer bonnes habitudes. Puis vous allez pouvoir refermer le répertoire habitude. Et faire la même chose en cherchant l'icône mémoire oubliée. Et dans cette icône mémoire oubliée, vous allez pouvoir trouver le fichier nommé souvenir oublié, inutile et expérience désagréable. Puis vous allez le sélectionner et le déplacer dans la corbeille sur cet écran d'ordinateur. Soyez présent et portez une attention particulière. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, au plus profond de vous. De la même manière, vous ferez le même travail avec l'icône croyances et valeurs. Parfois des croyances ou des valeurs peuvent venir interférer dans un comportement, dans une situation, générant des difficultés, majorant les incompréhensions. Vous allez pouvoir modifier ces lignes de conduite
et décider de prendre d'autres décisions et de mettre en place d'autres manières de fonctionner. Et en cliquant sur cette icône, croyances et valeurs, vous allez avoir un sous-répertoire nommé croyances et valeurs inutiles. Et vous allez pouvoir sélectionner ce qui vous semble important et le déplacer dans la corbeille. Cette corbeille se remplit de plus en plus. Vous pouvez observer et ressentir comme les choses bougent et se déplacent pour prendre une autre place. Dans ce mouvement, il y a de plus en plus d'espace à tout ce qui est bon pour vous, des choses nouvelles. Et vous allez continuer avec l'icône nommée peur. Avec cette icône, vous allez accéder à un autre répertoire nommé énergie négative. Vous allez pouvoir le supprimer. Et renommer cette icône avertissement, de manière à ce que votre esprit inconscient intègre à sa manière qu'il n'y a plus d'émotions parasites nécessaires ni de pensées négatives utiles. Vous allez pouvoir trouver une manière différente et plus saine d'entrer dans cette phase d'endormissement si agréable. Vous laissant glisser de plus en plus et absorber par cet état irrésistible de repos. Maintenant, vous allez pouvoir encore cliquer sur un dernier icône nommé doute, question, problème. Et vous allez rechercher le sous-répertoire pensée négative pour le supprimer. Et le refermer. Et lorsque vous aurez fait cela à votre rythme et à votre manière, vous allez pouvoir le renommer. Renommer ce fichier problème, dossier défi. Parce que dans la vie, il n'y a que des défis à relever. Et soit on les gagne, soit on apprend. Et plus on gagne, et plus on apprend. Et plus on apprend, et plus on gagne. Et vous allez pouvoir prendre une grande inspiration et cliquer sur la corbeille afin de la vider définitivement. Seuls les fichiers inutiles vont pouvoir disparaître.
Et lorsque vous aurez fait cela, une fenêtre va s'ouvrir avec le message suivant. Voulez-vous vraiment supprimer l'énergie des mauvais souvenirs, des croyances et des valeurs inutiles? Et vous allez cliquer sur « Oui ». Et maintenant, je vous invite à rechercher sur l'écran un bouton sur lequel est indiqué « Réorganisation du système ». Vous pouvez cliquer sur ce bouton afin de rendre tous les fichiers utiles accessibles facilement. Prenez une bonne inspiration et cliquez sur ce bouton. Et de cette manière, tout votre système interne, vos différents logiciels vont pouvoir se réactualiser et permettre à votre ordinateur interne de fonctionner de manière plus écologique pour vous. Et à chaque fois que vous repenserez à cela, à chaque fois que vous allez vous apprêter à vous endormir, les choses vont se mettre en route de plus en plus facilement, de plus en plus profondément. Et je serai curieuse de savoir quelle partie de votre corps s'est endormie profondément et quelles sont les parties qui s'endorment à leur rythme de plus en plus profondément, ne faisant plus qu'un tout agréablement et confortablement blotti, prêt à glisser de plus en plus, à absorber irrésistiblement cet état si agréable de repos où plus rien n'est important que le repos lui-même. Et vous pouvez vous laisser imaginez-vous allongé à côté de vous-même, observez-vous, que voyez-vous? Une personne confortablement installée? Peut-être esquissez-vous un sourire? Observez, en vous mettant juste à côté de vous, comme si votre esprit pouvait quitter votre corps et simplement observer ce qu'il se passe, ressentez le degré de détente. Amplifiez en observant tout cela. Laissez ces sensations agréables parcourir tout ce corps profondément détendu et relaxé. Et lorsque vous aurez observé tout cela avec beaucoup de bienveillance, de douceur et de curiosité, vous allez pouvoir à nouveau plonger en vous, au plus profond de vous. Derrière ces paupières closes, ce corps profondément relaxé.
irrésistiblement endormi. Plongez ce monde intérieur où les rêves commencent à vous appeler. Je vous laisse tranquillement poursuivre ce doux moment de repos afin que votre corps recharge les batteries, fasse le plein d'énergie et que tout ce système recrée un équilibre vous permettant à votre réveil d'être en pleine forme. Avec une nouvelle énergie. Prêt à passer une agréable journée.